sonore à travers cette triennale. Voilà, alors ça c'est vraiment intéressant si on a envie de pouvoir prendre l'air durant l'été, durant le beau temps. On propose des balades sonores qui plongent dans une histoire assez poétique avec Honorine Goliath, qui est l'épouse de Monsieur Goliath, mais qui tout d'un coup devient Honorine, la copine d'Adélaïde, qui elle est une toute petite personne qui se cache dans la ville, dans les ruelles. Et cette petite histoire qui est tramée durant tout le parcours propose vraiment une visite des œuvres de manière super liée au rêve, à la poésie, très onirique, tout à fait. Donc ça, c'est une histoire que l'on peut parcourir ensemble, à plusieurs, en famille, entre amis, mais surtout aussi avec les enfants, parce que c'est vraiment adapté pour et qu'on propose aux enfants un petit fascicule qui accompagne l'audio guide, dans lequel on retrouve toutes sortes d'énigmes et de jeux. Donc c'est vraiment sous forme de jeux de pistes. En fait, cette triennale, elle s'adresse aux touristes. Le but, c'est de ramener des touristes dans la ville ou bien de surprendre les Attois dans leur quotidien. Les deux, en fait. Hein. Donc avant tout, c'est vrai qu'on aime surprendre les Attois dans leur quotidien. Il y a des éléments qui, justement, qui peuvent oublier. Par exemple, je pense à ces toutes petites portes que l'on retrouve maintenant un peu partout en hâte. Ce sont des petites portes qui s'inspirent d'éléments architecturaux de la ville et qui, tout d'un coup, par leur rétrécissement assez important, réattirent l'attention. Donc, c'est vraiment surprendre sur tout ce quotidien, le folklore qui est très présent, mais en donner d'autres sens de lecture, mais aussi interpeller des visiteurs extérieurs pour leur proposer une découverte de la ville sous ses différentes facettes, des lieux conviviaux et autres petits chemins qu'on ne parcourirait pas en temps normal. Et d'ailleurs, c'est pour donner un autre regard sur la ville d'Ath que vous avez fait appel à des étudiants bruxellois de l'ARBA ou de l'ESAC pour mener à bien cette triennale. Nous les avons rencontrés. Ils étaient 5 lors de la première édition de la triennale de l'art et du végétal il y a 6 ans. Cette fois, ils sont 12 étudiants qui ont été repris par les 30 projets proposés pour cette édition. 12 créations originales réalisées par des étudiants de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles et de l'École supérieure des arts de Mons, sous la houlette du tournaisien Jean-François Dior, un artiste spécialisé dans le Land Art. La qualité d'un homme se calcule à sa démesure. La démesure, c'est le thème proposé par la Maison culturelle en résonance avec le 300e anniversaire de la géante Madame Goliath. C'est ainsi que Dominique Dupuis, qui a repris des études sur le tard, a imaginé un immense échafaudage. En fait, j'ai voulu travailler avec du bambou parce que les échafaudages à Hong Kong et en Inde sont gigantesques, énormes et permettent de monter à des hauteurs qu'on ne voit pas ici. Et je trouvais ça fascinant, c'était du végétal. J'ai commencé par une structure très structurée, très régulière. Et puis je suis arrivée à quelque chose de justement très déstructuré, mais qui monte vers le ciel, qui permet... d'atteindre la hauteur des géants. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet Génial. Ouais. Oh oui, c'est vraiment génial. Ça nous donne une opportunité incroyable, l'occasion d'exposer une œuvre qu'on n'aurait pas ailleurs. La ville a été vraiment accueillante. J'ai droit à une nacelle pendant 5 jours. Car les services des travaux et des espaces verts viennent souvent en renfort pour aider les étudiants à créer leurs sculptures, comme ce fut le cas pour cette sculpture monumentale du Mexicain Ricardo Martinez. Il s'est inspiré des fortifications dessinées par Vauban il y a 300 ans, à l'époque de la naissance de Madame Goliath. C'est un étudiant qui avait déjà un certain parcours, c'est le cas souvent au Beaux-Arts à Bruxelles? Alors de plus en plus, au Beaux-Arts à Bruxelles, nous accueillons des étudiants qui viennent faire des seconds cycles, ce qu'on appelle les masters. Et donc ça, c'est un de nos grands plaisirs, c'est très enrichissant. Ce sont des étudiants qui viennent des quatre coins du monde, et vous avez des Coréens, des Japonais. Et dans le cas de Ricardo, lui, il est mexicain. Voilà. Mais il y a aussi de tout jeunes artistes comme Anna. Des tours de vitrine tout au long du parcours, vous découvrirez ces globes qui abritent d'étranges entrelacs, mi-végétaux, mi-animaux. Elle les a appelés anomalies. On peut retrouver dans Hatt des petites anomalies de la nature, des hybridations d'espèces végétales qui créent de nouvelles plantes. Tout est fait avec des matériaux que j'ai récupérés à Hatt, donc ça a été plusieurs allers-retours pour venir chercher. Et puis après, du coup, une fois qu'elles étaient mises en forme, le but c'était de les répartir dans la ville. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment le contact humain. Et du coup, c'est pour ça que je les ai mis chez des commerçants ou chez des particuliers, en allant toquer aux portes. Et voilà. Chacune de ces œuvres trouve son inspiration dans la ville et son histoire. Celle-ci représente la chute du géant Goliath. Celle-là est une carte végétale en forme de
feuilles qui symbolisent le plan de la ville d'Anne. Certaines de ces créations pourraient rester définitivement dans la cité des géants, comme c'est le cas de cette œuvre réalisée il y a 6 ans. Au départ, c'est une manifestation qui dure un été, mais si les œuvres tiennent le coup, tant techniquement que je dirais, psychologiquement vis-à-vis des utilisateurs locaux, eh bien, bon, si ça convient à tout le monde, pourquoi ne pas les laisser? Pour vous, c'est une belle aventure, ces 3 éditions? Oui, et je suis ici à d'autres éditions, je crois qu'on est, partout, on peut déjà l'annoncer, je ne sais pas si c'est un scoop, mais ouais. ça convient tout à fait à la pédagogie que je développe dans mon atelier, où j'essaye de confronter les étudiants réels, à la vraie vie, à des commandes, professionnel, et je crois que toute la ville en profite puisque nous sommes tous.